fait vraiment plus chaud là en ce moment. Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui te rends compte que l'été est vraiment terminé et qu'il va falloir ressortir les pulls et les doudounes si t'as envie d'aller au ciné le soir, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles, Ad Astra. Bon, en soi, je pense que vous l'avez assez entendu à gauche et à droite, Ad Astra est un film que beaucoup de spectateurs attendaient, avec une envie, une passion et une profonde attente surtout de ce que le long métrage allait offrir en tant que film de science-fiction, mais également en tant que divertissement pur et dur et d'œuvres symphoniques et graphiques, comme seul James Gray est capable de nous en offrir. Cette vidéo fera office d'objet de défense autour d'une œuvre qui semble être jugée par beaucoup de spectateurs uniquement autour de son travail promotionnel et non de ce que le long métrage de Gray cherche à nous transmettre et nous offrir en tant que spectateur. Et donc, en tant que cinéphile, après le fiasco promotionnel de Once Upon a Time in Hollywood, ça me gonfle un peu de voir beaucoup de spectateurs ne pas souhaiter se laisser porter par le long métrage. Presque uniquement parce que le film est vendu comme un gros blockbuster de divertissement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Gray a choisi depuis maintenant quelques années, et son The Lost City of Z, de créer une attente autour de ses longs métrages qui sonnent comme des énormes productions, alors qu'en réalité il s'agit d'œuvres extrêmement intimes et personnelles pour le cinéaste, comme ceux Ad Astra. Plongée profonde et métaphorique, au cœur d'une tourmente spatiale sur fond de quête du père et de sauvetage de l'humanité, et bien au-delà de cela, il s'agit d'une œuvre visuellement totalement aboutie, d'un puissant long métrage esthétique et sensoriel, tout simplement rare aujourd'hui dans le 7e art. James Gray n'en a jamais fait un film grand public, mais une œuvre personnelle qu'il cherche à rendre universelle par le biais de ses thématiques et de son traitement du personnage, en ne cherchant jamais à en faire une œuvre ouverte vers le spectateur, mais simplement une œuvre ouverte vers le possible. Le possible d'un imaginaire cinématographique, l'identification par le geste de cinéma qui en découle, et non par l'esthétique promotionnelle vendue par la Fox. Arrêtez de vous laisser berner par des distributeurs qui ne savent absolument pas quand vont vendre leurs produits, et essayez plutôt de vous laisser emporter par l'idée de découverte, et je sais en un sens que cela est difficile, mais il ne faut pas que cela soit un frein. Ad Astra est une nouvelle fois la démonstration de la peur de la part des distributeurs, du manque de succès de leurs œuvres face à une concurrence féroce et constante malheureusement. Mais en tant que spectateur, vous devez aller au-delà de cela. Ne pas simplement vous dire « ce n'est pas ce que l'on m'a vendu » ou « ce n'est pas comme la bande-annonce ». Mais attendre simplement de voir de quoi va prendre corps l'œuvre au sein d'un écran de cinéma, avant de peut-être découvrir une œuvre qui vous passionnera totalement et vous emportera dans un torrent d'émotions. La surprise est une denrée rare aujourd'hui, au cœur du cinéma. Il ne faut pas avoir peur de la chercher, pour peut-être se retrouver surpris et démuni face à un long métrage que l'on ne soupçonnait pas. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Ad Astra avec un œil de néophyte. Pas en attendant un blockbuster de divertissement très convenu comme on en a des milliers qui sortent chaque année dans les salles, mais simplement comme une œuvre qui vous fera porter un œil nouveau, non seulement sur le cinéma, mais également sur la science-fiction. C'est peut-être ça le plus beau, d'être surpris dans une salle de cinéma.